ماجد رئيس الجامعة الملكية المغربية للترياتلون. احنا اليوم متواجدين داخل في الدورة الرابعة ديال كأس إفريقيا اللي هي ما بين الدورات الأربع اللي كيدوزوا في المغرب. عندنا الدورة الأولى كتدوز في الرباط، الثانية في العريش، أكادير، الداخلة. هاد الدورة هذه كيف كتعرفوا هي مصنفة، والعدائي المحترفين كيجيونا من القارات كاملة على أساس أنهم يربحوا نقاط اللي كتتأهلهم تساعدهم باش يتأهلوا للألعاب الأولمبية طوكيو 2020. كيف شفتوا اليوم عندنا تقريبا أربعة القارات هنا متواجدين معنا. وبالنسبة للعدائين الفئات الذكور عندنا فريق وطني كيتكون تقريبا من 10 ديال العدائين اللي غيشاركوا تا هما على أساس أنهم يحاولوا يربحوا نقاط، لأن عندنا جوج العدائين بدر سيوال والمهدي الصادق اللي هما مأهلين داو الميدالية الذهبية في الألعاب الفرقية والميدالية الفضية، ومأهلين على أساس أنهم إلى ربحوا نقاط اليوم غادي يكون عندهم مستوى جد يساعدهم على أساس أنهم يتأهلوا لطوكيو 2020 إن شاء الله الرحمن الرحيم. Je suis très content d'avoir gagné, c'est ma deuxième fois que je suis au Maroc et j'ai fait deux podiums, première fois que je gagne. Donc pour ça, je suis très content d'être ici et d'avoir gagné la course. Ma tactique a été différente avant la course que pendant la course, donc je ne voulais jamais échapper en natation, mais les autres ont très très bien nagé. On était un gros pack sortant de l'eau et du coup j'ai dû faire une bonne transition et partir vite en vélo, ce qui m'a bien réussi. Et à ce moment-là, j'ai essayé de tout donner en vélo pour partir. Heureusement, ça m'a réussi. À des moments, le groupe derrière est revenu sur moi, mais j'ai réussi à les tenir à l'écart. Et en course à pied, j'ai tout donné pour pouvoir garder cet écart et essayer de courir le plus à l'aise possible, mais sans perdre le focus. Et à la fin, j'ai réussi à gagner. C'était un peu un challenge parce qu'il y avait assez de vent quand même. Donc là, je pense que c'est connu pour avoir beaucoup de vent. Donc à certains moments, ça a été très difficile pour rouler tout seul et même en course à pied. Sinon, oui, la trajectoire a été assez correcte. Il n'y avait pas de trous, il y avait pas de... les gens étaient très respectueux. Il n'y avait personne qui courait par-dessus la route. Tout était propre. C'était très bien organisé. Donc vraiment, bien fait à l'organisation, vraiment mon respect. C'était vraiment très bien fait. Et voilà, bon, il pourrait y avoir un peu plus de virages, mais je pense avec le vent que c'est assez de challenge. Badr Siwan, 25 ans, triathlète international maghrébi. Bon, Yuma, c'était une course continentale de Dakhla. Dakhla, c'est une très très belle ville. C'est l'une des plus belles villes au Maroc et surtout la course ici était vraiment très très importante. On a une vue extraordinaire de la baie de Dakhla et sur le parcours vélo c'était vraiment très compliqué avec le vent. Donc Dakhla, c'est vraiment, il y a beaucoup de vent, c'est un parcours très dur et c'est très important de venir ici pour montrer aussi que les Marocains sont présents à Dakhla et montrent qu'on est sur le podium comme aujourd'hui où je finis deuxième. Dakhla, elle a les autres étapes continentales d'Al-Maghreb.
une spécificité, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent. Ça veut dire qu'on doit être très, très fort pour le Oumen, parce qu'il y a un arrêt qui te fait un. On a pour le Bishkrit à Otani, et surtout pour la course à pied, On a vraiment, on ne peut pas se couvrir, on est obligé d'être en face du vent, et c'est ce qui est très compliqué pour Dakhla. C'est pour ça que Dakhla, c'est l'une des compétitions les plus dures au Maroc. C'est que la rage, Rabat, Agadir, Dakhla, il y a une spécificité, c'est qu'il y a énormément de vent, et on est obligé d'être très, très fort en vélo. I'm gonna go to the hospital.